grâce au film. Alors, Making of. Ici, le journal 1 du Making of, dernière partie. On a une sur une dernière scène. Là, il y a l'autre connard de toi qui vient. Oh, est-ce que vous pouvez mettre l'écran, est-ce que ça me fasse bien voir s'il vous plaît? Voilà, c'est bon, j'ai rien bien fait. Ne touchez pas. Parce que moi, en fait, je vous explique. En fait, dans le rôle, je vais me faire tuer, mais en fait, c'est moi qui ai le meilleur équipement. Ouais, voilà, remets comme ça. C'est moi qui ai le meilleur équipement. C'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on dirait mon arrière-grand-père dans les. Mais c'est moi qui est celui qui pue le plus. Mec, j'en sens rien. À mon arrière-grand-père, du côté de mon père, dans les mines, c'est chaud. J'ai mine Nantes de Fukushima. Ah, arrêtez, remettez. Non, de Tchernobyl. Ah, bon de l'air. 18 sur 20, bague de français. Oh, je me fais louper là. Et je retourne dans l'ombre. Pas dans l'univers. Il fait chaud là. Avec un blouson d'hiver. Chacun son tour. Allez, on y va. Salut. Salut. Ça va? Hermione. Vous avez passé de bonnes vacances? On est en novembre. Hein? Salut. Bon, j'espère surtout que le niveau 4 vous a plu. La partie 2. Et aujourd'hui, on est encore là pour en parler, mais cette fois après sa sortie. C'est pour cela qu'on vous propose un petit bêtisier, ou plutôt une espèce de compilation de moments où ça filmait. Parce que même le tournage en lui-même était une aventure intéressante à raconter. Et qu'alors le temps que ça a pris, ça nous a pris... Toi, j'appelle Pierre. Ça nous a pris 3 ans, 4 si on compte la partie 1, et ça commençait à faire long. En gros, on a fait 10 minutes par an. Bref, ce qu'on vous propose, c'est de voyager dans le temps et de revivre ce qu'on a vécu sur ces 4 années à peu près. Oh. Et donc cette vidéo rend hommage à tous ces longs moments d'attente, du soleil notamment. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Mettez-vous à l'aise. Oh, bon, écoutez... Derrière toi, vas-y, vous deux là-bas. Nous deux, on va passer par là-bas. On y va, les gars. Vas-y. 3, 2, 1. Oh merde. C'est mon portable qui vibre. On y va, les gars. C'est excellent. Putain, c'est vraiment beaucoup trop lumineux. Ah voilà. Ici, comme ça. Donc c'est Carl qui regarde comme si c'était un moniteur, le machin. Il faut qu'il y ait plus d'espace au-dessus de nous qu'en dessous. Sur le drone. Je monte, descends. Monte. Non, c'est bon en fait, c'est bien. Il faut qu'on le voit entièrement. Ah bah descends un peu. Mais recule, non mais recule-toi surtout. Recule encore un peu. Tenez-vous normalement les deux là, Paul et Tom. Ouais, c'est bon, c'est parfait. T'es prêt, Pierre? On y va. Non mais c'est pas ça, mais ça se voit que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel les mecs. Oh là 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 là. On dirait pas trop un extrait d'un jeu, sans déconner. On prend pas cet extrait là, c'est bon, y'a pas de au pire Osef. Non parce qu'il y a un plan juste avant qui est 5 cm plus tôt. Ah oui, mais là ça se verra salement. Même avec le type. Ah oui, tu peux pas refaire un effet de soleil sur les branches. Wow, c'est une folle dans ta tête. Je te le ramène. Insérer musique. Mélanger le tout afin d'obtenir une belle pâte. Puis étaler. Voilà. Excellent.
Voilà, votre goûter pour vos enfants est prêt. Ça fera une excellente sucette. Goût molard. Elle est belle. Miam. Excellent. Oh, oh, ce focus. Oula, c'est appétissant. Oulala. Là là. Ah. Bon appétit. Dans une niche, il voit une maison. Dans les buissons, il voit à manger. Dans une Twingo, il voit un radiateur. Voici... Comment il s'appelle ? Robert versus Wild. Voyez-vous ça ? C'est une feuille d'eucalyptus. Elle se mange très bien. Je n'essayerai pas dans cette émission parce que c'est très bon. Ceci, on l'appelle... La pétale des anges. La pédale des anges. Non, je déconne. On rigole pas avec Chuck Norris. Grotte, grotte, ça résonne. On est go. Bogue. On est complètement sombre. Je vais chatouiller une blague là. C'est vrai, hein. Allez, c'est parti, évasion. On s'évade. Dans les vues de lui là. Mets tes deux pieds là! Mais j'arrive pas, je pourrais pas avancer après, il va me kéblo. Ok. Et je vais marcher sur Raphaël. À Sainte-Foy, Saint-Sulpice. C'est quoi cette ville? Putain, il y a des feux arrière Audi Q3 pour 150 euros. C'est quand même cher le feu arrière. Putain, il y a des chrome pour 20 balles. Réfrigérateur pour 50 euros. J'ai encore vomi. 3, 2, 1. Attends, l'avion il est un peu anachronique. Oh, tu sais pas. Tu sais pas comment ça se passe. Il mettait de la gerbe partout dans l'immeuble là. Tu penses que le mec il a eu pour projet de repeindre sa baraque là? Avec les pots de peinture. C'est de la peinture ça? C'est de la peinture. Ah non, c'est de l'insecticide. Ah bon, je pense qu'il est pour projet de désinsectiser sa maison et qu'il a pas eu le temps de faire. Ah bah apparemment, c'était... J'aurais mieux fait, moi. C'est complètement dingue. Ça ne m'aide pas beaucoup. Cyprien là! Tiens, je te le mets à l'arrache comme ça, tu l'as tout dans la merde. Ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Tu avais fini par mettre un truc. Attends, attends! Ça filme? Eh ouais, ça filme. Prêt? Cip. Merde, j'ai appelé Cip, le con. En vrai, faudrait pas qu'il gâche le plan là. Je sens qu'il va rester des heures ce chien. Allez. Attends, on dirait le chien de Lucas là. Qui sait pas tenir debout avec sa queue qui parle en tous les sens là. Faut les ignorer les chiens. Ouais. Alors Tom, vas-y, pointe. Oula. Vas-y. Pointe du bois. Oh, mais il peut pas ignorer ça, frère. C'est bon. On va. Encore, on te voit toujours, Paul. Je peux rien faire. Ce débile de chien qui nous suit partout là.
Ce chien est insupportable. Get out of here, I'll show your ass, my chien, girl, man. Il est pas content, le genre. Non, si, c'est mieux là. J'ai en profite pour m'en mettre un petit peu autre part. La technique, c'est d'ensemble de se mettre de la saleté là où il y a des boutons, comme ça tu vois moins les boutons. Bon, ce qui est drôle, c'est que je prends une vidéo là, Paul. Putain, j'avais pas fait gaffe. Bah non, pas la peine. Vas-y, je fais du breakdance. T'as l'air tellement con.